t'as dit direct, ça va. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis avec Alain et Alex. On va commenter nos 6 combats pédagogiques. Donc vous en aurez un par semaine. On va commencer avec ceux de Alain, ceinture bleue depuis quelques mois. 6 mois. Depuis Lander et Alexandra, septembre. Ah, les deux en même temps. Ok. Allez, on est parti. Bon, on fait un petit peu à l'arrache, on est sur le téléphone. Let's go, on va couper le son. Pour Alain qui fait le con comme d'hab. Non, je vais en prêt. Allez, petite phase debout. Rugueux, hein, le Alain, 90 kilos. Non, 87 kilos de muscles. Donc, c'était pas forcément évident. Mais j'allais tranquille, hein. Même si on voit le pression. Ouais, c'est ça. Voilà, grosse pression d'entrée, le petit décalage, leg drag, on colle, grosse pression. Alors là, j'étais pas prêt, j'étais en mode on va tourner doucement. Bon, j'ai compris. Ah, je sentais, voilà, il voulait sa petite soumission, il a eu bravo. Non, mais j'ai juste un trou en fait, une drag dans ta défense. Non, bah, écoute, faut te servir. Faut te servir. Allez, ça repart là, on est mort de rien. Allez, saisis, colle. Ça va être gêne, il faut normalement rapidement l'enlever. Hein. Donc là, il y a un début de ciseau, tu t'es vite relevé, c'est bien. Je te gêne avec. Surtout avec cette main au col, hein, ouais. On n'enlève pas le pied de l'autre côté pour mettre encore plus de tension. Ok. J'essaie de coller. Ah, ça y est, t'arraches. Tu colles de suite, ça me met en galère, ni shield. Pour l'instant, ça tricote. Ou ça rentre sur la de la riva profonde. Et tu m'empêches de rentrer l'autre, mais je vais quand même arriver à te renverser. Et mais si je décide de m'asseoir et pour me relever. Oh. Ah, c'est des techniques avancées. Ok, c'est bientôt le stage. Hein, le DVD d'Alain, n'hésitez pas à le commander. Il est en précommande. Allez, grosse pression. On essaie de passer une espèce d'over-under sous la jambe. Gêné par la mobilité. Ah, là, c'est dommage, tu vois. Il faudrait que tu aies la main plutôt que devant ma tête. Tu viennes plutôt me chercher le crossface. Tu vois. Okay. Voilà. C'est souvent une erreur. Du coup, j'ai toujours ma mobilité. C'est gênant, mais j'ai toujours cette mobilité du haut du corps. Okay. Alors que si tu venais me coller là déjà, mes hanches, après, ça serait beaucoup plus dur. C'est bizarre, je me sens plus fort en venant par-dessus. Ouais, en plus, t'as vu, là, j'étais un peu chargé, du coup, j'étais carrément enlevé la main. Ouais. Tu t'en rends même plus compte, je crois. T'es en train de travailler avec les hanches, ça me gêne plus. Je suis arrivé à te charger. On va remettre. Boum. Je suis arrivé à te charger sur mon ishid. J'ai une espèce de crochet, là, papillon. Et je récupère de l'autre côté. Donc, toujours bien chargé sur l'épaule. Vous voyez, là, j'ai mal chargé, du coup, bah, t'arrives à revenir avec ta jambe. J'ai quand même ma. C'est quoi, c'est une X? Ouais, je te fais un renversement ultra basique en X. On va remettre. Parce que c'est toujours important. Donc j'ai ma X, pied à la hanche, je descends l'autre pied qui était derrière le genou, je le descends derrière la cheville et on va juste pousser avec le pied de la hanche vers l'arrière et souvent ça va suffire à faire chuter. De suite je rentre sur une espèce de smash, bon, je peux le temps de m'en servir. Tout va bien. Allez, les saisies. Debout, essayer de m'arracher la tête. Quelle violence est là. Oh, et le petit ankle pick là, on remonte. Donc, on fait semblant de tirer la garde, on a déjà vu. Hein. Et donc, l'adversaire souvent se crispe un petit peu pour être prêt à avoir une bonne base, c'est normal. Du coup, on en profite pour récupérer la jambe et on a déjà le col. Il essaie de me suivre, donc je te tire fort là pour pas que tu remontes là, avec ta force là. Leg drag. On colle le bassin, là j'ai senti que tu voulais t'enrouler, je te connais, je crois que j'avais mis un crochet, ouais j'ai mis un crochet derrière pour t'empêcher, et là je voulais me jeter pour prendre le dos, mais je crois que tu m'as vu venir. Évidemment. La base. Allez, ça c'est bien, boum, de suite on enlève, hein. Je rappelle, posture, quand on vous saisit le col, si c'est possible, on squatte, dos droit, et on arrache, on aura beaucoup plus de force que le dos rond. Là,
tu me l'as fait pas mal de fois celui-là. C'est ma faute, hein, je suis mal placé, j'ai les deux jambes sur la même ligne. Ouais. On saisit, on pousse. Alors après, je t'empêche à chaque fois de te relever en saisissant rapidement au moins un pantalon. Et tu ne sais même pas d'ailleurs de te relever. Je crois que tu veux peut-être me soumettre là, non? Non, en fait, j'ai essayé de venir en Nantes sur toi. D'accord. J'ai parlé de ça. Ok. J'ai pu se passer sur le côté. Ouais, j'aurais été peut-être moins gourmand et peut-être plus efficace. Ok, on garde fermé. Tu peux pas me lever parce que tu me tenais la jambe. Ouais, je récupère. Ouais, des fois, j'ai tiens aussi le talon. Garde fermé, les mains sous les épaules. On essaie de se redresser. J'essaie de m'attaquer. Allez, c'est bien un gros travail de pression. Tu essaies vraiment de me coincer ce bras. Allez, là, normalement, je suis mort. Hein. Donc, ouais, tu m'as coincé les deux bras du même côté. Normalement, il faut aller saisir avec ta main droite sous les selles. J'ai l'impression que c'est ce que tu as fait. Et t'es reparti. Ouais, ouais. C'est dommage, t'es reparti. Là, il y avait un renversement basique. Je crois que c'est Roger Gracie qui faisait beaucoup ça. Il venait chercher avec l'autre main sous la jambe. Il ramenait en fait complètement de l'autre côté. Là, le dos, c'est jouable, mais c'est vrai que c'est un peu gourmand. Et du coup, t'es complètement. Tu te dis, je vais lui arracher le bras. Bon, ça, c'est assez simple, entre guillemets, à défendre. Hein. On va pivoter le coude. Ouais, je tente. Ouais, c'est bien. Allez, toujours du mal là de faire des leg drag, t'es bien, t'as une bonne posture à chaque fois. Ouais. Et ce lasso là qui est dur. Hop là, renversement lasso. Donc les deux pieds du même côté, il est rentré à fond. L'autre côté il tient ma cheville, vous avez vu avec sa main. Et il va simplement me charger sur ses tibias, se tourner. Il va pouvoir me charger très facilement. Ça remonte. Allez, j'essaie de le plier en deux pour t'empêcher. Est-ce que je vais y arriver? Tortue. On sent toute la haine en toi qui essaie de. Non, mais vraiment, j'essaie de sortir. T'es tranquille là, c'était le premier tour de chauffe. Allez, le bras coincé là, normalement, oui. Ah, je sais pas comment j'ai fait pour survivre, mais. Monter. Tour de chauffe. Là, pas facile avec 95 kg sur soi, la monter, la sortir. Toujours ce même poids. Ça va monter, hein. Petit à petit au fil de la vidéo. Allez, dur. Ok, fin du premier. Bah écoute, t'as l'air en pleine forme. Non, j'étais bien. Assez fou. Merci tout le monde. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite avec Alain et Alex. Merci. Salut.